Congo bravo, Congo bravo, keep doing a good job. Et monsieur Osala Musala kitoko Congo bravo. Ceci dans les arrangements journal les cas, mais en direct naturel, la sentir que non kitoko. Nous avons pour moi à soutenir vraiment mission et qui ne m'écolo. Mais ça Congo, Congo bravo, Congo bravo, Congo bravo, site internet, dit Kota dit naviguer dit au bout d'un pas tout ça dit dégâts. Congo, Congo bravo, il soit bien. Amen. Congo bravo, il soit bien. Aïe aïe aïe. Ah, on a bien vendu. Ah, on a message à bien vendu. Nous avons la Congo bravo, bravo. Congo. Aïe aïe, Congo. Shalom, shalom, frères et sœurs, chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de partout dans le monde. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour cet espace de prédication dans Bravo Congo TV. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, il est écrit, tu envoyais ta parole et ta parole les guérit. Ta parole s'apprête à sortir, qu'elle puisse guérir, qu'elle puisse libérer, qu'elle puisse communiquer la foi. Bénis mon frère, ma soeur qui va écouter ce message. Révèle-toi à lui au nom de Jésus. Amen. La force de la foi. Comment la foi marche? Bibi toujours que Babati est mené sur la foi. Mais Banajembe Mingi va comprendre comment la foi marche. Et beaucoup de fois, il y a même des confusions sur la foi. Nanzela matière, on a compris sur quatre pas de la foi. Quatre choses où il faut aider foi dans la macasse. Foi dans le produire un résultat. Vous savez, nous pouvons souligner l'importance et la valeur de la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Hébreux 11, verset 4. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Marc, chapitre 5, verset 25. À 33. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt allée en s'appirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Verset 33. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle-même, vint se jeter à ses pieds et lui dire toute la vérité. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, nous voyons l'histoire de cette femme. Elle a souffert pendant 12 ans. Maquillez autant. 12 ans, il y a exclusion parce que dans tango ba juif, tango ozobe la maladie à perte de sang, on a ba règle aussi la caté. Tu ne peux pas rester avec les gens. Tu es déclaré impur. Cette femme pendant 12 ans, elle était exclue. Ce kabala qui liba les koufita ou maladie les bandi. Ce kata qui la famille faut être libanda parce qu'elle est devenue impure. Elle ne pouvait pas rester avec les gens à cause de sa maladie. Mais même situation n'a été. Mais la foi a la capacité de déplacer les montagnes. La foi a la capacité de rendre possible ce qui est impossible. Mais
maintenant, à travers l'histoire, moi, si tu es qu'on a la foi. Tu es qu'on a comment la foi marche. Cette femme était condamnée. Elle faisait face à une situation difficile, une situation presque impossible. N'est-ce pas, Kanaan de Kodanga? Tu es là. D'autres ont fonctionné normalement, mais tu n'arrives pas à avoir d'enfant. 12 ans, un mariage, il y a un mariage. Mais on n'a aucun poteau. 12 ans, il y a un mariage. Tu n'as pas de documents. Après 12 ans de mariage, vous êtes au bord du divorce. Mais on n'a pas de Konanga. Il y a une clé pour te faire sortir. Cette clé-là, c'est la foi. Mais il faut savoir utiliser cette clé-là pour sortir. Première chose, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi, je suis allé quelqu'un qui parlait des miracles de Jésus. Elle n'avait pas la foi, mais la foi est venue en elle à cause de ce qu'elle avait entendu. Est-ce que Oyozoyoka, est-ce que tu as condima, tu es au condima? Tu dois faire attention au discours que tu attends. La Bible dit, ayant entendu parler des miracles de Jésus. Donc, la foi est venue quand elle a entendu. Ce qu'on entend peut amener la foi, tout comme ça peut amener le doute et l'incrédulité. Maintenant, comment cette femme a développé sa foi? Première chose, la foi doit nous conduire à des visions. Sur base de ce que cette femme avait entendu, elle a commencé à voir sa guérison. Ayoka qui parlait des miracles de Jésus. Tant qu'Abadio Yoka, Abadio Mouna, guérison naïe. A comment on a fait à ma passe naïe. A comment on a fait à calvaire naïe. Donc ce qu'elle avait entendu, elle a commencé à s'imaginer. Mon tour aussi peut arriver. C'est possible aussi. Nabi Manakata Maladio. Donc ce qu'elle avait entendu avait produit en elle la vision. Là où il y a la foi, il y a la vision. La foi doit te conduire à voir. Voir sur base de la parole de Dieu. Vous voyez, ça a quand même dans mon question, dans sa promesse. Par exemple, on a dit que on a passé la tine de l'eau, on a dit que on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que mais le fait qu'on peut signer, n'a pas dit que nous avons 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 dit que c'est comme ça que marche la foi. La foi doit te conduire à des visions. Tu dois commencer à voir les promesses de Dieu. Tant que aux hommes on a été, c'est que tu n'as pas encore la foi. Est-ce que tu es en train de voir ta guérison? Est-ce que tu es en train de voir ton élévation? Est-ce que tu es en train de voir ton succès? Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Nous avons déjà et nous croyons que nous espérons. C'est ça la foi. Dieu va dire à Abraham. Genèse 13, verset 15. Dieu va dire à Abraham, tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Mais ce que tu ne vois pas, Abraham, moi je ne vais pas te donner. Il y a aussi un peu de passer la condima. Mais condima la bambou est athée. Parce que pas tout le monde a dit. Mais tout ça la condima, à comment on a l'eau de Kitoko. À comment on a élévation. À comment on a guérison. À comment on a promotion. Dieu va dire à Abraham, tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Donc, si tu ne vois pas, moi Dieu, je ne vais pas te donner cela. Et puis, il y a 3 ans, Bané le Kébélé. Donc ça fait. Dans le mariage, je suis mais
Na place ya marié na comment mon ngai. Ah marié tanga ce que ça la sangue. En tout cas na goza la boy, na goza la boy, na goza la boy. Dis mais ça fait le col à 4 ans. Tango na bandou ka bala. Na si ba kamina bandou ka sale. Pas une circonstance, concours de circonstances. Na ko na salwan. Na que me la foutu mon a réservé. Maintenant le Saint-Esprit qui va me rappeler. Voilà, visez mon ara. Il y a beaucoup de coquilles. Frères et sœurs, la foi doit nous conduire à des visions. Mon alou dit moi qui toko. Mon a miracle na yo. Mon a déjà aussi mis mon awana. Mon a déjà biro na position non go occupé pendant mon ango. C'est ça la foi. Dieu dit à Abraham, tous les pays que tu vois, je te les donnerai. Quelque part encore, nous avons amené Abraham. Parce qu'Abraham a rien à prendre à Robota. Bima, Abraham sort de ta tente. Ils ont aussi faux Bima. Bima ne le sikosa, le bim sort. Abraham a mis la tente. Alors, Dieu dit, regarde au ciel. Abraham a commencé à regarder. Dieu dit, compte les étoiles. Abraham a dit, compte. B, 3, 1000. Jusqu'à ce qu'Abraham s'est épuisé. Dieu a dit, abord, telle sera ta postérité. Mais il fallait Abraham à mon avec toi. Pour nous avoir pu s'aimer. Donc Dieu a montré à Abraham que ses enfants seront des étoiles. Or, mon étoile, en anglais, est une star. Donc si tu es enfant d'Abraham, tu es une star. C'est ce qu'Abraham a vu. Tous ceux qui vont croire, tous ceux qui seront mes enfants, ils seront des stars. Oh, Nazomo na vie na yoko brille na kombo na Yesu. Nazomo na vie na yoko brille na kombo na Yesu. Comment on a échec te, comment on a maladie te, bah non on a guérison. Il a dit par ses meurtres ici, nous sommes guéris. Bah non on a longue vie. Donc vois. Cette fission est basée sur la parole de Dieu. Parole à il faut battre et surtout à la Romona. Nous comptons dans la Bible, oui, nous m'a dit la Bible est longue, comment mon amour? Alors, tu entreras dans les sépulcres dans la vieillesse. Mais comment on a dit dans le linga, il faut la couffa dans 80 nonada. Mais moi, mon amour, mon amour, comment on a dit que c'est un caractère? Et longue. J'ai venu le perdre quelqu'un de très cher. Et j'ai commencé à me dire, mais à quoi sert de vivre? Mon amour, tu as dit, moi, dans la parole, dans les et puis c'est récent. C'est comme on a la foi. Avant le monde, on a l'opportunité. C'est ça, la foi. Donc, première chose, la foi marche. La foi marche avec les visions. La foi nous conduit à des visions. Deuxième chose, la foi nous conduit à des déclarations. Cette femme, quand elle a vu, elle a commencé à parler. Si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Elle se disait en elle-même, Kondime Lobaga. Il faut mettre ça Mungomo na Kondima na yo. Tu dois donner la foi à ta foi. La foi n'est jamais silencieuse. La foi parle. Monsieur Abandio Loba, Abandio Loba, Abandio Loba. 2 Corinthiens 4, verset 13. La Bible dit, l'esprit de foi nous pousse à déclarer ce que nous croyons. C'est ça l'esprit de foi. Il faut au loba ou au zondiba. Au zondibani. Que au robal. Que au progresser dans la vie. Que y'a un petit qui va tout dire. Bando lobango. Bando lobango. J'aurai mes propres enfants au nom de Jésus. Et aussi ma peau d'anaï. La Bible dit, Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Il y a quoi qu'on a connu? Qu'on dit, mais ben, à l'existence. Où ils ont existé? Où ils ont existé dans le monde physique, mais dans le monde spirituel, ils ont existé. C'est pourquoi la personne qui a la foi parle. La foi parle la victoire. La foi parle la guérison. La foi parle les mariages. Rémi
dans Marc 11, 22 à 23, Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Dans la version, on dit « Ayez la foi de Dieu ». Et puis, vous avez compris, l'olé yaza. La foi de Dieu, c'est quoi? Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, tu as une maladie incurable, il y en a au bord du divorce. C'est comme une montagne. Chômage est télémédio. Bandok et Napoto, il y a rien qui marche. C'est comme une montagne. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, que nous allons nous battre. Combien de gens ont été l'oba oyo l'ignomona. Il dit si quelqu'un dit à cette montagne, et ne doute pas dans son cœur, ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. La foi doit te pousser à des déclarations. Je réussirai. J'irai de l'avant. Je verrai la gloire de Dieu. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est ça la foi. Donc une femme a commencé à parler. Dites ce que vous croyez. Donnez la voix à votre miracle. Et qu'aussi, vous savez, tant que vous comprenez le principe, vous avez tout le monde remis les larmes là. Ah, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et je voulais dire que ça ne va pas. Les choses devenaient encore plus dures. Mais quand j'ai compris comment la foi marche, j'ai commencé à dire tout va bien. Tout va bien dans ma vie. Tout va bien dans ma santé. Tout va bien. Et quand j'ai commencé à parler la gare de la foi, j'ai commencé à voir Dieu intervenir dans ma vie. La foi parle. Cessez de confesser l'incrédulité et commencez à confesser la parole de foi. Troisième chose, la foi nous conduit à des actions. La foi doit nous conduire à des actions. Monsieur Abadé Olobagarade, elle s'est déplacée. Elle est allée là où était Jésus. Elle a fait le mouvement. La foi, il faut être dans le mouvement, il faut être dans l'action. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne fais aucune action. La Bible dit la foi sans les œuvres, sans les actions, est une foi morte. Mais déjà, pour toi, la Bible, si tu crois à la grandeur, tu dois te comporter comme quelqu'un de gras. Tu dois te comporter comme quelqu'un de riche. C'est ça la foi. Au moment là qu'on s'est comporté, avant de se manifester. Donc, la foi doit te pousser à des actions. Donc, la foi est agissante. Cette femme ne sait pas qu'on est mal déclaré. Elle a posé des actions. Mais maintenant, quand tu es en église, il y avait un frère qui était malade. Amélie Meliba qui s'est mêlé, ça n'allait pas. Si tu as compté qu'il y a un traitement, il y a un chinois. On va appeler ça un produit, tout ça. Abandonner chaque semaine, on va dépasser un bon bébé. Quand elle m'a entendu parler de la guérison divine, écoute que tu n'as la foi. Il a pris tous les médicaments qu'il avait. Aïnango, Atikiamo. Nabambon, il fallait somba. Bah, qui si on y approche le traitement, Aïatikiamo. Allez, passez, je suis guéri. Il est reparti. Une semaine après, lui-même, il a témoigné à cause de que ma douleur ne se disparaît. Ça, c'est la foi en action. La foi est agissante. Foi est la ratée. Foi est posée à Kaba acte. Si tu crois que Dieu t'a déjà donné les enfants, mais pas nous ça l'allait être. Ils ont croit en élévation. Maintenant, quelqu'un de gras, il a un agenda. Il a un programme. Les grands sont compliqués. Ils ont des. Donc, l'État, c'est l'argent. Maintenant, on s'est comporté comme un grand. C'est ça la foi. Je me rappelle, nous avons la foi pour la Somba, en tout cas. Il y a plusieurs années, j'ai reçu comme ça 1000 dollars et j'ai dit à madame 1000 dollars, oui, dans ce que nous tirons la banque. On a 1000 dollars, oui, dans le Mutuka. Frère, ça, il n'y avait pas espoir que bon, monsieur, vous avez dit. Mais j'ai déclaré et j'ai commencé
petit à petit, on a eu 100 dollars dans le bac. Si on a eu 100 dollars dans le bac, tu te mets au combat 3500 dollars. Et j'ai commencé à chercher. Mais j'ai commencé à chercher la moitié. La foi sans les actions est une foi morte. C'est ça la foi. La foi agit. Si tu crois que tu es guéri, quand tu commences à agir selon la foi, Dieu va honorer la foi. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'est pas vrai. La foi est agissante. Une fois, il y a longtemps, dans la manière où on préparait le mariage, dans ce qui dit, il y a d'autres, tout. Quand qui fait mariage civil, mariage religieux, tout ça. Et Dieu me dit, Dieu m'a posé la question, est-ce que tu crois? J'ai dit oui. Il m'a dit, fixe les dates. Et il m'a fixé ma date. J'ai dit au papa, voilà, telle date. Et comme ça, la mariage civil, la commune, la personne me combat commune. Bien que la Suisse nous a renseigné, m'a dit le remonté. Telle date, nous allons nous retrouver dans la commune à Liberté. Et telle date, ça sera le mariage religieux. J'aimerais que papa, ou que nous communiquions avec ma belle famille. Papa m'a dit, mais tu es sûr là-bas qu'ils ont fait ça? On a dit la bombe, on s'est réservé ça. Il a dit oui, tout va bien. Donc la foi est agissante. La foi pose des actes. La foi n'attend pas, la foi agit. Tu dois démontrer ta foi par tes actions. Que Dieu te bénisse. Je disais, tu dois démontrer ta foi par les actions. Tu dois démontrer ta foi par les actions. Tu dois poser les actes aux jours que sa foi n'a eu. Si tu crois à l'élévation, tu dois être propre. Les enfants de Dieu sont propres. Les grands, tu les vois toujours, parce que tu es bien habillé, bien coiffé. C'est un principe. Dieu respecte ses principes. La foi agit. Je me rappelle quand on a passé la bande d'émission à radio. La Kotuna Awa. Après, c'est la facture. Ah! Moi-même, je me suis dit, c'est impossible. Mais Dieu m'a dit, est-ce que tu as la foi? J'ai dit, oui, Seigneur. Il m'a dit, agis. Et je suis allé. J'ai donné la compte. J'ai signé, je donne la compte. Et j'ai commencé. Ça fait déjà plus de 3 ans. Chaque mois, je paye les factures dans ma radio. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Dieu honore la foi. Cette femme a dit qu'il n'y a signé là-bas à Esso. C'est ça la foi. Si tu crois que Dieu donne le travail, sors, va prendre ton travail. Ne reste pas là, j'ai la foi, mais tu ne fais rien, c'est que tu n'as pas la foi. Quatrième chose, enfin, la foi conduit au témoignage. Quand cette femme a reçu son miracle, la Bible dit, elle est venue là, elle s'est prosternée, elle a tout dit. La foi doit nous conduire au témoignage. Celui qui témoigne, c'est celui qui a la foi. Quand tu exerces la foi et que tu vois la main de Dieu, tu dois témoigner. Aspirant à côté. Le témoignage engendre d'autres témoignages. Plus tu as l'habitude de témoigner, plus Dieu va encore te bénir encore davantage. C'est pourquoi tu disais que la branche salamie soit tournée. Qui va toucher? Jésus a réclamé le témoignage. Si cette femme n'avait pas dit que Makamo est salamaki, mais on n'allait pas écrire l'histoire de cette femme. Ton témoignage peut encourager quelqu'un d'autre. Ton témoignage peut réveiller la foi d'une personne. Dieu guérit. Dieu donne le travail. Dieu fait marier ses enfants. Dieu pourvoit aux besoins de ça. Nous devons témoigner Dieu. La Bible dit, c'est par la foi que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Donc nous sommes à la salle de la vie. Est-ce la mouquille? Il va témoigner. Tant que vous avez
La Bible dit ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Voilà les quatre pas de la foi. Dans les gens de la peau, il y a un condiment. Et c'est à quoi il y a? Il y a un exercé condiment. Mais rien n'a pas marché. Ça n'a pas marché. L'ennemi a prié pour Nayo. Il y a un problème. Il y a un bord et rap. Ça n'a condiment. Dans les gens de Oyo, il y a des choses qui n'existaient pas. Toi aussi qui est touché, les numéros qui sont au bas de votre écran, soit un bon bengabiso. Tu connais, tu comprends ce renseignement pour qu'on dise le cola, pour qu'on la libérer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Papa n'a même pas dit qu'on va souffrir, qu'on va faire face à la montagne. Il y a un problème à l'église, problème à Mikanda, problème à Libala, problème à la stabilité de la vie. Problème à échec n'a pas fait, n'a même pas dans le yes. N'a pouvoir au Pessinaï, n'a eu autorité, puis n'a kangi Satana, n'a bengalié, n'a commandé la Satana, puis la démon, va libérer ma sainte, va libérer ma ensemble, au nom puissant de Jésus. Satan, enlève ta main sur mon frère, enlève ta main sur ma soeur, maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. N'a commandé la maladie ouana, y'a barra, et disparaître la combo naïs, n'a commandé la blocage, et l'ombre la vie n'a combo naïs. Ma porte est kanama qui fou moi, au nom puissant de Jésus Christ, yo oyo zobe la reçoit ta guérison maintenant au nom de Jésus. Yo oyo misa les a par terre, n'a prophétisé restauration, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois guéri, sois béni, sois restauré au nom de Jésus. Je vois les portes s'ouvrir pour quelqu'un. Je vois le mariage d'une personne. Je vois l'élévation. Je vois le succès. Ta vie ne restera plus au même niveau au nom de Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bengabi sur la numéro Zana au bas de l'écran pour opérer sa témoignage d'ailleurs. Il opposant la besoin que vous allez assister, que vous allez conduire la prochaine délivrance. Bengabiso. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Bien des choses, bien des bonnes choses sur la même chaîne. Bravo Congo TV. À la prochaine. Feu! Congo bravo, Congo bravo. Keep doing a good job. Et Monsieur Osala Musala qui toque au Congo bravo. Ceci dans les arrangements dans les cas, mais en direct naturel, la sentir que non, qui toque. Nous avons un pouvoir à soutenir mes missions et qui n'est pas. Mais ça, Congo, Congo bravo, Congo bravo, Congo bravo, site internet, dit Kota dit, navigué dit, au bout d'un pas tout ça, dit Dega. Congo, Congo bravo, et sois bien. Amen. Congo bravo, amen. Et sois bien. Aïe aïe aïe. Ah, on a ma bien vendu. Aïe aïe. Ah, message a bien vendu. Nous avons la Congo bravo, bravo. Congo. Aïe. Aïe, Congo.